lui retirer le bonnet. Ça s'est déjà fait ici. Bah oui. Oh. Et le casque pour se concentrer à co-combat. Guni vs Malekith Result. Bah, c'est Guni qui avait gagné là. Exact. Forcément. Allez Guni. Allez dans le chat. Répondez à la question pour vous. Qui sera le grand vainqueur de cette tournoi? Répondez 1 au 16-13-13 pour JTB. Répondez 2 au 16-13-13 pour Guni. Qui peut faire une promo télé à 2 euros par SMS envoyé au reçu. Le gagnant sera tiré au sort et repartira avec. D'ailleurs, et on nous donne l'indication que ça va bien être. C'est donc parti pour cette grande finale Bruxelles Challenge Winter Fights sur Tekken 7 ici. Grande finale contre Guni FT2, hein. Et justement JTB ici présent qui était en loser. Donc faudra reset tout simplement Guni pour donner le deuxième et véritable FT, sans quoi justement si Guni gagne ça soit terminé. Et c'est deux matchs gagnants. Deux matchs gagnants, BO3, FT2. On va verser les noms. Et pas. C'est. Et voilà. Voilà. Allez, ouh ça, ça charge. Tonne. Ça tonne un peu. Avec Gizaward. Kata en haut directement. Le petit cancel. Il est en max mode. Du coup, il va en profiter pour pouvoir attaquer. Tu vois que les conseils de coach Vaïd ont été. Il faut les tout garder. Ça reste quand même très équilibré. Hein. Ça reste quand même très équilibré. La choc peut être esquivée juste en bas. Quelques coups de mid, le coulo. Très bien joué ça de la part de JTB, justement d'avoir gardé celui-ci et de tuer son adversaire. Très très bien. Très très bien joué. On entend des let's go fire, let's go Guni, mais. Une fois cette distance. Quelques projectiles, ils seront gardés. Là, il va commencer à jouer à les déplacements pour pouvoir les esquiver. Max mode activé, malheureusement, il va peut-être pas utiliser si bien que ça, peut-être quoi, vraiment vers la fin, il a réussi à le repousser. Et ça, c'est quand même joli, le coulo qui a été gardé, qui a pas été puni. Allez, Guni, il rapproche. Oh, le shooter qui est esquivé. Il prend ses petits steps là sur le côté en sortant le coup, mais malheureusement, toujours un JTB qui fait la même erreur d'attaquer justement en low. Et ça a été gardé par son adversaire. Ah, dommage, hein, dommage que le petit mur qui était juste à droite de Jin aurait pu tuer. Le beau petit pari qui était rentré, malheureusement il a raté, mais rouvre justement cette garde qui va donner deuxième fois de suite. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Et Guni est en train de sourire parce qu'il sait très bien que là, à deux reprises, à trois reprises, il pouvait le tuer. Mais bah non, je ne le tue pas, j'ai pas envie, j'ai envie de rater tout simplement. Sachant que justement, JTB, comme je vous ai dit, doit gagner ce FT avant de donner le deuxième et véritable. Et bien Guni, s'il gagne le FT2, c'est terminé. Il aura fait une full win dans ce bracket. Mais non, il le laisse respirer un tout petit peu, pourquoi pas. Allez, en tout cas, le double qui va rentrer de la part de JTB qui s'en sort très bien. Voilà, et JTB qui rattrape son erreur, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment mieux compris le match contre Guise. Tu vois, ici, il part vraiment des coups et même il contre ses coups. Et là, Guni, on voit qu'il va peut-être changer de stratégie, peut-être prendre un autre personnage que Guise. Là, il faut aller à l'essentiel. C'est vraiment JTB qui a fait beaucoup de bêtises à la fin. Même s'il a remporté son match, il a fait beaucoup de bêtises. Énormément de drops. Et ça peut lui procurer beaucoup trop de préjudice pour les prochains combats. S'il fait encore énormément de drops comme ça, c'est perdu pour lui, vraiment. Vraiment. C'est à trois reprises, laisser 3 à 4 reprises la chance à Guni de tuer. Et se manger un projectile à longue distance. Alors que JTB maîtrise parfaitement en plus le jeu de déplacement. Et Guni qui a counterpick. Mais il y a la pression de cette grande finale. On a Guni après 7 faits à battre, et bien tout simplement 1-0 sur ce FT2. Il décide de counterpick sur un jack 7. Et le jack de Guni qui va peut-être faire toute la différence. En tout cas, ça commence à faire cette attaque avec des 1-2 tranquillement. Voilà, il va jouer plus ou moins safe, le petit coulo, voilà, qui rentre, mais c'est pas grave. Voilà, il garde l'avantage à l'énergie, le coulo une nouvelle fois, et ça c'est la force du JTB, hein. C'est justement d'être accroupi au bon moment pour pouvoir placer justement ce launcher, pour pouvoir juggle gentiment quelques coups sur le mur, deuxième fois de suite. Il va décider vraiment la petite roll pour pouvoir glisser. Là, JTB qui est très 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 agressif, hein. JTB qui est très bien rentré dans cette finale. Quelques punch également. Et qui gagne ce premier round contre Guni, les supporters qui applaudissent la prestation de JTB qui est quand même de haut niveau. Il sort de toujours garder vraiment cette distance. Il brise souvent, hein. Il garde vraiment cette distance, mais il le brise très rapidement.
vraiment un petit flash avant et ça un fait juggle pour Jack 7 qui va faire très très mal, qui va apporter son adversaire dans le coin, mais le mur qui n'a pas well phasing, et encore une nouvelle fois elle aurait pu le remettre, mais on a JTB qui s'était placé vraiment à sa gauche au bon moment, et voilà, il va prendre lui à son tour le beau petit combo, un petit coup low qui va rentrer, mais attention, voilà, Guni n'a pas dit son dernier mot, le malheureusement son coup est aérien, ce qui lui a donc permis de passer directement en phase justement de juggle sans même lancer un joli launcher. Allez, plus de 17 secondes restant, le petit coup low pour tuer le rush drive qui est complètement safe, il garde un peu la distance, le coup, ça part le coup low, et ça a été pari sur le coup low, le face de mur qui va pas tuer malheureusement, et le coup low qui a été gardé, le coup low a été gardé effectivement. Il faut vraiment focus, voir ce qui est en train de se passer, c'est énorme, c'est juste énorme. Gin de Best qui reste. Le Kouai. Très concentré. Guni qui punit. Il va esquiver justement le coup de poing. C'est pour ça qu'il a pu le récupérer derrière. Et il a complètement raison. Guni qui a fait un coup bien en front jump, bien entendu. Le coup low malheureusement qui ne va pas être puni du tout. Assez inattendu. De charge par contre lui. Allez, il passe en phase de juggle. Très bon effet. Deuxième phase. Risque de repousser. Au fur et à mesure sur ce mur, la petite balayette qui va rentrer. Et la balayette, tout comme justement le petit barcute de Jin, ça passe en phase de juggle. Hein. Ah oui, Guni, il a passé cette phase, il a passé son barcute, mais ça va pas aboutir à rien. Et le rush drive. Le bleu. Ouais, le coup bleu. Oh, ce rush drive, hein, qui va être bien placé. Il attaque en haut, en bas, il va vraiment. Et bien faire feinter qui ne va jamais attaquer en bas jusqu'au dernier moment où vous n'y croyez en fait, plus, il va essayer de l'avoir, hein. C'est vraiment bien varier les coups, hein, tout comme il faut. Et là on a Guni qui est très proche de gagner son premier match de cette grande finale. Mais attention, on a quand même JTB qui reste toujours aussi offensif. Ça se joue sur rien du tout, c'est incroyable ce qui se passe là en ce moment ici à Bruxelles. Il a esquivé justement en crouche, ça c'est quand même bien. Vois, il a des très bons steps JTB, il n'y a rien à dire, il a qui est juste énorme. Ça va pas tuer, ça va pas tuer. Deuxième phase qui va, il y a le damage réduce, il y a le damage réduce, et quand t'as une phase de mur et que tu manges un gros coup, c'est énorme. Et premier match de remporter pour Guni, un partout. Qu'est-ce qu'on va avoir? Fireblade qui va aider JTB. Et Guni qui pointe du doigt Fireblade en lui disant mais on est amis, non? Faire très 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 attention. Allez, un partout. On a donc bien à votre gauche les Belges, JTB, qui a un seul match de pouvoir reset son adversaire face à Guni. N'a pas perdu aucun match et qui est justement lui aussi à un seul match de gagner son tournoi directement. Et JTB qui prend ce premier round. JTB qui est plutôt bien parti pour pouvoir bien le reset. Guni qui reste sur Jack 7, malgré la défaite, il reste sur son Jack 7. Il voit qu'il a plus de chance sur Jack que sur Xoward. Il a raison. Et très bonne esquive qui amène une séance de juggle. Deuxième phase de juggle pour pouvoir enchaîner. Pas assez proche du mur, malheureusement, pour faire une troisième phase. La chop qui va faire cette chop qui va faire mal, qui va laisser face au mur. Il sait très bien qu'à le relever, ça peut être très difficile pour lui. Du coup, il va vraiment le laisser relever tranquillement, sans vraiment problème. Vous avez vu, on a encore une nouvelle fois JTB qui essaie de mettre ce fameux crochet qui est un launcher, hein, tout simplement. On se ressentait d'attaquer sur des coups hauts pour le moment. Mais voilà, Guni gère tellement bien justement le petit mix-up de coups mid, high et low également, que JTB se les mange tous. Bien joué ça. On va récupérer. Ça partait vraiment des coups 1 pour pouvoir récupérer en juggle. Il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Il y aura en tout cas une bonne prise de conscience sur cette ouverture, de bons réflexes, et qu'il optimise, hein, il optimise comme il faut. Vous avez dit, mine de rien, un petit punch par-ci par-là, en ouverture de garde de JTB peut faire totalement la différence. Regardez, Guni s'en tire quand même avec un perfect, hein, pour le moment. Voilà, il attend l'électrique, hein. Il attend l'électrique, mais l'électrique se sort malheureusement beaucoup trop en max range. Du coup, il s'arrête juste en face des points de Guni. Voyez ça, voilà, petit punch, il joue très très safe. Alors là, il a changé complètement sa façon de jouer. Non, c'est incroyable, hein, comment il s'est adapté. Hein, il reste vraiment sur le neutral. Là, il reste sur ce qu'on appelle justement la bête noire
eh bien, de JPB, c'est voilà, qu'il se retrouve face à un adversaire qui joue énormément neutral, qui ne pense plus sur lui du tout. Voilà, il va même rester au centre tranquillement, il ne va pas prendre de pression. Il sait que le temps en baisse, voilà, il ne voilà, peut pas faire autant de dégâts en une seconde. Il reste tranquille et il a complètement raison. Balle de match pour Konix Gunny d'ores et déjà. Et là, ça peut être très difficile maintenant pour JTB si il revient pas. Vous avez vu, en à peine 8 secondes de match, déjà 40% eh bien, de part d'énergie en moins. Mais JTB n'a pas dit son dernier mot. Il essaie de revenir. Il veut revenir, mais tout ça, c'est très dangereux. Très compliqué, Gunny là, qui s'élance. Gunny qui est face à un Jin qui est complètement eh bien, en raid. Mais il se mange quand même le kick. Là, ça va être très compliqué. Et le grand vainqueur. Et le champion reste champion. Winter Fights. Gunny ici même, Gunny Samales, face à une légende belge qui est JTB, qui ne démérite pas, qui est très Je pense qu'on peut quand même applaudir Gunny qui a fait une excellente prestation aujourd'hui en ne perdant.